Vous avez tout fait, à part marquer. Alors qu'est-ce qui manque exactement à cette équipe pour avoir plus d'efficacité, pour, si on peut dire, briser cette malédiction de l'efficacité? Ah, peut-être qu'il y a tellement d'attentes, et c'est normal. Peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de pression, que ça fait un moment qu'on a des soucis offensifs. Après, c'est pas que les attaquants, c'est tout le monde. Je pense que même nous, en tant que défenseurs, on peut marquer sur coup de pied arrêté, mais faut être plus relâché et essayer de reprendre confiance, parce que c'est ce qui manque. Et donc, il faut continuer à travailler pour faire changer la donne. Alors justement, dans 4 jours, vous allez affronter le Burundi pour le second match du groupe. Alors dans quel état d'esprit vous allez partir? On a vu que ici, c'est un petit peu frustrant. Ça veut dire, dans quel état est-ce que le groupe est, et dans quel état vous allez affronter le Burundi? C'est vrai que l'équipe est frustrée, mais après, on est professionnel. Il faut passer à autre chose et tout faire pour aller au Burundi, aller chercher la victoire. On sait que c'est pas facile, donc faut se battre pour rattraper les points perdus à la maison. Le match s'est passé maintenant on a un match mardi, il faut qu'on se focalise directement dessus, parce que je pense qu'on doit aller là-bas pour revenir avec les 3 points, et c'est important pour nous de revenir avec les 3 points. Ça va, alhamdoulilah, ils m'ont bien intégré, donc ça va, je vais pas me plaindre, et non, voilà, c'est bon, ils m'ont bien intégré dans le match.